Je le disais en titre, visite de chantier du lycée scientifique régional et du lycée professionnel régional de Kaya. C'est dans la région du Centre-Nord. L'évolution des travaux et la qualité des infrastructures laissent à désirer, c'est le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ces avertissements dans ce reportage de Amadou Ouédraogo et Jacques Ouédraogo. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales visite les chantiers de son département à Kaya. Ici, au chantier du lycée scientifique régional, le ministre est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. L'évolution des travaux et la qualité des ouvrages suscitent de l'indignation chez les visiteurs du jour. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Beaucoup d'insuffisances qui peuvent incomber non seulement à l'État, mais également aux entrepreneurs. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement de tout faire pour que les apprenants aient un cadre idéal d'apprentissage. Nous avons interpellé les entrepreneurs. Nous allons toujours les interpeller parce qu'il y va de l'intérêt des apprenants. Dès que nous allons repartir à Ouaga, nous allons travailler avec tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces lycées, notamment l'agence Faso Bara, qui est le maître d'ouvrage délégué et qui travaille avec les entreprises pour qu'ensemble nous puissions lever en fait les obstacles qui font que le chantier évolue de façon très lente. Autre chantier, même constat. Au lycée professionnel régional, la nouvelle salle de maroquinerie fissurée de haut jusqu'en bas attire l'attention de la délégation. Un bâtiment en très mauvais état qui met en danger la vie des apprenants, surtout en cette saison de pluie. Le ministre en charge de l'éducation annonce déjà des mesures urgentes. C'est tout simplement une catastrophe. Sans être un spécialiste du domaine, j'ai constaté de visu que le travail était bâclé. Et ça ne peut pas passer impuni. Ça, je prends l'engagement de tout faire pour que l'État ne soit pas lésé. En tout cas, l'entreprise, moi, je ne le connais pas. Mais mes techniciens le connaissent. Et comme l'administration, c'est une continuité, je ferai tout pour que l'État soit réparé dans ses droits. Au terme de cette visite de chantier, la délégation est allée s'entretenir avec les apprenants pour s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail et recueillir leurs doléances. Le retard de paiement des bourses, les problèmes de cantine et les formations pratiques sont entre autres les différentes préoccupations de ces apprenants. Engagement est donc pris par la délégation de trouver des solutions à ces problèmes afin de permettre à ses élèves d'apprendre dans de bonnes conditions.